Pourquoi ça te surprend? Il y a des gens qui sont tout simplement différents des autres. Alors j'ai commencé à me familiariser avec cela. Tu vas bien? Mais je savais que je devais y mettre fin. Je vais bien. Maman, j'ai eu mon bébé! C'est vrai, Samira? Oui, maman. Merci. Où est papa? Au salon avec Ruth. Maman, je pense que c'est le moment. Non. Non, Samira. Tout est si calme maintenant. Tu risques de tout gâcher. Oh, maman, arrête un peu avec tout ça. Non, maman. Pardon. Écoute. Il faut que je saisisse l'occasion. C'est maintenant ou jamais. Tu comprends ce que je dis, maman? Bien. Maintenant que tu as eu ton examen, il est grand temps que tu te maries. En tant que chef de notre village dans cette ville, je vais demander qu'on te trouve un mari. Ce n'est pas la peine, papa. J'ai déjà quelqu'un. Que fait-il dans la vie? Il est chef dans un grand restaurant de la place. Par chef, j'entends bien cuisinier? Ainsi, j'ai investi sur toi depuis des années pour que tu me ramènes un cuisinier? Cet enfant n'est pas de toi. Non, ça ne me dérange pas, chérie. Tu vois, cet enfant, je vais le prendre comme le mien. Et tu crois que je vais accepter que mon enfant porte ton nom alors que tu n'es pas le géniteur? Cet enfant sera bel et bien le mien. Je dis non. Je dis oui. Et si tu oses dire à quiconque que je ne suis pas l'auteur de cette grossesse, je t'abats. Tu n'as rien compris du coup? Même pas. Je suis fatiguée, j'ai des aïeux de sommeil. Tu sais quoi? Eh bien, repose-toi pour être plus en forme demain, d'accord? Ouais, la méga forme. Descends. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est bon, monsieur, on ne part plus. Quoi? Je travaille pour vous, mademoiselle? Désolé, monsieur. Ça veut dire quoi, désolé? Paye mon argent, mademoiselle. Pamela! Qu'est-ce qu'il raconte? Il demande qu'on paye. Payer pourquoi? Je sais pas.